Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février et nous fêtons Saint Blaise. Saint Blaise fut l'un des saints autrefois les plus populaires et les plus célèbres par l'efficacité de leur intercession. D'abord, très habile médecin et en même temps très vertueux chrétien. Il devint évêque de Sébaste, en Arménie, par le choix du peuple, qui l'entourait d'une grande estime. Mais Blaise, inspiré de Dieu, quitta bientôt son siège épiscopal pour s'enfuir sur une montagne solitaire. Il y avait pour compagnie les bêtes fauves qui venaient chaque jour visiter et caresser l'homme de Dieu et recevoir avec sa bénédiction la guérison de leurs maux. Il fut rencontré en son désert par des païens qui, surpris de trouver un homme familièrement entouré de lions, de tigres, de loups et d'ours, allèrent raconter cette nouvelle au gouverneur. Blaise saisit peu de temps après comme chrétien. Jusque dans son antre sauvage, exprima sa joie profonde à la pensée de s'offrir pour Jésus-Christ. Arrivé devant le gouverneur, « Insensé, lui dit-il, penses-tu me séparer de Dieu par tes tourments ?» Non, non, le Seigneur est avec moi, c'est lui qui me fortifie. » Les bourreaux le frappèrent à coups de verge et le jetèrent en prison. Quelques jours après, le martyr est rappelé au tribunal. « Choisis, Blaise, lui dit le juge. Choisis entre deux parties, ou bien adore nos dieux, et alors tu seras notre ami, ou bien si tu refuses, tu seras livré au supplice et tu périras d'une mort cruelle. » « Ces statues que tu adores, reprend l'évêque, ne sont pas des dieux, mais les organes du démon. Je ne puis donc les adorer. » Le tyran, le voyant inflexible, ordonna de l'attacher à un chevalet. Puis il fit apporter des peignes de fer avec lesquelles on lui déchira le dos et tout le corps. La victime, se tournant toute sanglante vers le gouverneur, lui dit « Déjà, voisin du ciel, je méprise toutes les choses de ce monde. Je me ris de vous et de vos supplices. Ces tourments ne dureront qu'un instant, tandis que la récompense sera éternelle. » Après de nouveaux interrogatoires inutiles, Blaise fut jeté dans le lac voisin pour y être noyé. Mais il fit le signe de croix et marcha sur les eaux comme sur un terrain solide, à la grande admiration de tous les spectateurs de ce prodige. Le glorieux martyr eut enfin la tête tranchée. Tandis qu'il était en prison, on lui avait amené un enfant sur le point d'être étouffé par une arête de poisson. Blaise le guérit. C'est sans doute pour ce fait qu'on l'invoque spécialement pour les maux de gorge. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.